fois, j'ai même un caméraman. Une caméra, mais... On va le faire passer sur YouTube. C'est bien que... Je vais mettre mes yeux parce que sinon je vois rien du tout. Alors Philippe, tu nous fais le tour de ton exposition ? Ouais, on peut commencer par le premier tableau là, qui s'appelle le soleil minéral. On va mieux tout le mettre en place. C'est un tableau qui est tout en pierre. C'est uniquement que de la pierre. En pierre brute, le soleil, que tu vois, c'est plat. Et de la pierre taillée, lisse. Qui est en fond. Je mettais un peu de tout et j'ai fait du sérieux. Là, c'est l'oméga. Tu vois le symbole de l'oméga. Je connais bien l'électronique. Voilà, c'est un oméga reptilien celui-là. Et qui pas fait, dos, qui fait le pendant avec l'alpha. Toi, t'as l'alpha et l'oméga. Donc, c'est contemporain. Ensuite, tu le vois bien ? Ensuite, ça c'est une méditation. Ensuite, une méditation sur le cœur de la pierre. Et puis il y a d'autres méditations qui sont là-bas, mais il va falloir qu'on se déplace. Je te suis. Alors ça j'adore celui-là, Philippe. Voilà. Alors celui-là, il s'appelle l'Athanor. C'est ce que c'est qu'un l'Athanor. L'Athanor, c'est le creuset des alchimistes. Ah oui, d'accord. Donc, c'est après multiples maturations, cuissons. On transcende l'espace, l'univers, et on arrive à la réalisation de l'être. La transmutation. Voilà, c'est la transmutation de l'homme. Au moins, Alors celui-là, c'est un crépuscule, mais j'ai failli l'appeler les bavards. Mais les bavards, ça ne fait pas. En fait, c'est à la fin de la nuit, en règle générale, il nous reste après une longue nuit, une blanche, il reste que les bavards qui sont là à parler au petit matin. Une blanche ou une nuit folle ? Une nuit folle, c'est comme tu veux. Et ici, tu as les autres méditations. Voilà. Mais il a perdu sa main. Oui. Non, c'est pas une main là. C'est un pied. Ah, tu parles de la pierre en haut à gauche. En haut à gauche, oui. C'est l'année dernière. C'est parce que tout est très symbolique. Peut-être que tout là, mais je ne le sais pas. Voilà. Qu'est-ce que moi, celui-là. Il s'appelle En présence. Très grande méditation sur le monde et sur la nature de l'être. Et le dixième tableau, il est en vitrine. Voilà. C'est ce que tu préfères, ce que tu as mis en vitrine ? Non, c'est parce que c'est le plus grand. C'est le plus grand ? Voilà. C'est le plus cher ? C'est le plus cher, oui, c'est effectivement. Il s'appelle Fenêtre ouverte, celui-là. Toujours une fenêtre ouverte sur un autre monde. Merci Philippe Moreau de cette interview.